Moi et Cappuccino, on a Paris et là on est au Bibi Show. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team NASA. Ça commence par Faranicha sur Snap pour la baby shower de Moss. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. On a Paris. Toi, t'as dit c'était quoi? Moi, regarde, j'ai dit une fille, tu vois. J'ai mis bleu. Ouais. Mais j'ai dit une fille juste pour les 50, les armées 50. Mais est-ce que toi, tu m'aimes maligne? Je sais que t'es malade, t'as des sources. Moi, je sais que j'ai un don. J'ai un don et je dis que c'est un garçon. Après, on a parié, c'est 50 euros, on verra. Peut-être que je peux me tromper. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est un Vas-y, pose. Ah, Capo, il donne des billets aujourd'hui. Lâche. Il donne des billets, moi aussi. Vas-y, c'est tout, frère. On dirait que 50 000 euros. Imagine, on a fini la story. On va dire à moi les 50 euros. Moi, si je t'ai gagné, je te rends. Ah, mais un pari, c'est. À quoi bon faire un pari? À quoi? Dis-moi, si toi t'aurais gagné, C'est pour le goût. C'est pour le goût, t'aurais gagné, t'aurais pris les 50 euros. Mais moi, je prends ma surface à 50 euros. Vous avez vu la story comme moi hier? Oh, c'était du n'importe quoi. Heureusement, je suis parti, moi. Regardez. Voilà. Faites comme lui. Travaillez. Honnêtement. Arrêtez de boire. L'alcool, c'est pas de l'eau. Franchement, après, ça incite à des jeunes à boire et tout. Alors que c'est mauvais. L'alcool, c'est très mauvais. C'est pas bon pour la santé, déjà, pour commencer. Et déjà, il faut boire avec modération. Et hier, ils ont pas bu avec modération. Vraiment. Ouais, regarde-moi comme ça, toi. Et c'était du n'importe quoi, Mouna qui vomit, tout. Ah, dégoûte, franchement, ça dégoûte. C'est pour ça que Nasdaq, il vous a montré l'envers du décor. Pour vous montrer la vérité, pour vous prévenir de ne pas reproduire les mêmes choses. C'est pour ça que Nasdaq, il vous a montré l'envers du décor. Alors moi, je sais pas écrire, mais alors toi, moi, t'as marqué méfait. Méfait, c'est M-E accent F-A-I-T. Pourquoi j'étais là? J'aurais dû écrire moi et j'aurais pas fait moins de fautes. J'aurais fait moins de fautes que toi. Moi je suis pas d'orthographe moi. J'en fais moi, je te dis la vérité. Ouais, moi aussi j'avoue un petit peu. Mais pour dire que tu peux avouer que c'est toi? Non. Comment ça non? C'est pas moi. Oui, c'est toi. Non. Ou là que c'est toi. Wesh, pas bien d'Akhlef. D'Akhlef? On passe à la story de Michel Perpignan sur Snap. Ouais, Gino! Ouais! 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 La musique, la musique, la musique, la musique, la musique.
ça monte, ça monte. Non, non. Ça y est, tout le monde est réuni et on va enfin connaître le sexe du bébé de Mousse et Noélia. Et dire qu'il y a que moi qui le connais là. Tous ce monde là, il y a que moi qui le connais. Et toi, t'as changé d'avis, tu veux un garçon. Et toi, tu veux une fille. Oh là là, mais qui aura gain de cause. Eh, ça fait. 3 Non, fais pas. 2 Ça fait 3 passe à la story de Mouna chez Nasdas sur Snap. Passe à la story de Lenny de retour sur Snap. Tu vas voir, c'est 30 secondes. T'as fait la story, tu t'es rhabillé. Il fait froid dehors. Il fait froid, hein. Bah, reste à l'intérieur, tu fumes pas. Et toi, t'étais où? Moi, j'étais là, mec. Ouais. J'étais là. Il est où ton pull? Ouais, je sais qu'on m'a pas vu. Il est où ton pull? Parce que je t'ai pas habillé. Mais j'ai pas de tenue, moi, c'est pas pareil. Bah, Lena. En fait, tu voulais trouver un mari, toi, pendant cette baby shower. Tu t'es mis sur ton 31, hein. Non, en vrai, t'as respecté le truc. Bon. T'es bizarre toi. Tu lâcheras jamais l'affaire, Samos. Hein. Toute ta vie, hein. Toute ta vie jusqu'à la mort, tu lâcheras. Tu lâcheras jamais l'affaire, Samos. En fait, toi, je t'ai dit une fois, tu ressembles à Nino, ça y est, tu veux plus lâcher le bail. C'est Nino, ma gueule, voilà. Il est mort, hein. Mais t'étais avec Mouna il y a 2 secondes, mon frère. C'était avec Mouna il y a 2 secondes, Samos. Hey, la mer à l'ini, c'est toi. La mer à l'ini, c'est toi. La mer à l'ini, c'est toi.
Respect, frère. Ça veut dire quoi, tu vois? Le père Ali. Ça veut dire quoi, un tu vois? Le père Ali, c'est 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 Don Farah, mon frère, c'est du respect chez les Sicarios. Ah, ben vas-y, pas une là. Non. Non, oui, non, mais. Non, Don, ça suffit, Don. On passe à la story de ça, tiré 6694 sur Snap, hein. Fille ou garçon. Mais toi, tu prends la bouteille carrément. Toutes les caméras, je suis bon, j'en dois tes camarades. Tu sais, je suis juste T'as vu, voilà. Je regarde pas comme ça. C'est bizarre. Ah, là, c'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Allez, combat de boxe. C'est le mec qui nous a donné. Dana Dani. Emma. Je sais pas trop, ça va fumer. Moi, quand il veut pas manger, je fais ma chienne. Il est chaud. Dans la pire, il y a le nail sur la plaque. Illégal, on rachète. J'allume ma traite, calibré sur. C'est les garçons. Ouais. On est fiers pour eux. Mais. Non, on avait choisi. Vous êtes venus, là. Mais toi aussi, par là, t'es venu. Ah, tu me désappuies. M'en fous. Faites ce que vous voulez, mais sans moi, les gars. Tu viens de lui dire, Moha, qu'il a massacré Fessier. Qu'est-ce que tu racontes? Il t'a dit ça, on est d'accord. Il m'a dit que j'étais là, arrêtez de marcher, ouais. T'es un putain d'homosexuel. Toi, t'as rien que tu manges, Mamadou, tu t'en fous. T'es putain d'esprit, toi. Pourquoi vous parlez mal, les gars? C'est lui! Attends, il est encore en train de se frotter là. Parce qu'il y en a encore. Ouais, on continue! Ben, j'ai l'impression que tu kiffes! Non. Oui! Elle a dit quoi? Si, ferme ta gueule, toi, dégage! Ça dit quoi la mif? Comme vous avez pu voir dans la story juste avant, et dans la story de Nasser, voilà les ravages de l'alcool. Des finias qui boivent. Voilà. Moi, je suis là pour dire buvez avec modération. Et même buvez pas. Ça sert à rien. Restez agent, restez vous-même. Ça sert à rien. Et... qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà les ravages de l'alcool. Voilà les ravages. Faites très gaffe à vous. Faites très 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 attention à vous. Pourquoi faire? J'ai envie de dire. Pourquoi faire? Mais vous inquiétez pas, ça se repassera plus. On va essayer de surveiller tout ça. Hein. Et pour tous ceux qui boivent, qui se mettent dans des états pas possibles comme les stories qu'on a pu voir, franchement, personnellement, j'ai jamais bu, alhamdoulilah. J'ai jamais été dans des états comme ça. C'est pas pour autant que je m'amuse pas. Franchement, vous voyez très bien Moumlam, Nasser il a snappé. Il boit pas, il est bien. Et pourtant, il s'amuse très bien, on rigole très bien. Franchement, même sans alcool, sans être dans un autre monde, on peut très bien s'amuser. Moi je vous dis, je pense personnellement, je rigole plus que ceux qui boivent. Je suis fou dans ma tête, j'ai pas besoin de ça. Oh, libérez-vous. Ça a rien. Ça sert totalement rien de ce. Se mettre dans des états comme ça. Faites attention, Wallah, faites très attention, famille. Je touche pas à ça, moi. J'ai pas besoin de ça pour rigoler, j'ai pas besoin de ça pour
pourrait être bien, j'ai pas besoin de ça. Je sais pas, c'était une merde. Hein. Ça sert totalement à rien, les frères. Ça sert totalement à rien. Je toucherai pas. Je travaille même pas, ça m'appelle pour aller faire des courses. Regardez. Est-ce que c'est normal ça? Les gens du travail sortent du coffre. On passe à la story de Hassoun.ASPD sur Snap. Là, il m'a fait un cadre de malade et je suis vraiment touché. Vous voyez là, c'est mon papa et là c'est moi. Je vais vous mettre sur Instagram. Allez-y, jetez un coup d'œil, s'il vous plaît. Vous allez être choqués. Salak Dar. Ça va ou pas? Trop bien ça pèse, hein. Dur, hein. Tu es une baraka? Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. C'est mon pote. Ça paie comme jamais. Ça d'accord. Wesh. Pélo. Tu m'as fait la anani. Wesh. Pélo. Tu m'as fait la anani. Continue, Ragdar. Wesh, Pélo, tu me l'as fait à la nani. Wesh, Pélo, tu me l'as fait à la nani. T'es ta fille. T'es moi, ça. C'est ma fille, Charlie. On passe à la story de Billy DZ 660 sur Snap. Bon appétit. Qui va gagner Samos contre le Suisse? Ragdar, tu peux chanter Bala. Aïe, ta mère. Ma mère. Ah, mais tu parles de ma mère. Pas de mère. Tu parles de ma mère. Pas de mère, mère, mère. Qui est la mère à qui? Pas de. Ah, d'accord. Ahdar, tu peux chanter Bella. Aïe. On passe à la story de Camille de retour à Perpignan, Cam Baby 2025 sur Snap. Ça va plus. T'as voyagé? J'ai voyagé. T'as été dans le désert? J'ai été... Non, je n'ai pas été dans le désert. Non. Non, j'ai pas fait le désert. Ah, dommage. Tu m'as ramené un villager? Non, je t'ai pas ramené. C'est pourquoi il dit ça, Sassou. La dernière fois, je suis revenue du Maroc. J'ai passé un village. Tu te rappelles, hein? C'est un village, mon village. En route, sur pleine manie. Je voyais personne quand il y avait une nana. Rien en bout d'un temps que la... Minimum 6, minus sur le déco, minimum 3. 50 sous le clic, clac, y'avait pas beaucoup d'humains. Quand le... On passe à la story de Maria Saavedra 2 sur Snap. 2, 3, Pour moi c'est un garçon. Bonjour. Aujourd'hui il fait très très beau. On va profiter à fond de la journée. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais en tout cas je vais faire. Fosca, je suis dans le chepard ça sans pétard. Appel de rêve, tout le monde s'écarte. Portugal, Fordes. J'en reçois plein de messages. En fait, le truc, c'est que mes journées sont trop à la province. Donc, c'est jamais qu'est-ce que je vais faire. En fait, quoi, vous me donnez quel âge? Oh, mais partez loin, là. T'inquiète, il arrive, il y a quelqu'un qui le récupère demain à 16h30, il le ramène ici et il repart samedi soir ou dimanche. Là, on passe à la story de Lauriana.srl sur Snap qui a l'air très fatiguée, qui n'en peut plus, mais avec une photo de la petite en plus de Jenna. Voilà, petite photo inédite. Voilà une petite photo supplémentaire.
Et on finit avec la story de Kinaï Santiago CC sur Snap. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Police, projecteur, direct, tu m'as fait peur. J'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser une question. Tu m'écoutes au moins? Tu veux une garçon? Tu veux que ce soit un garçon ou une fille? Bleu, garçon, bien sûr, je veux un garçon. Et toi, tu veux une fille? Ouais. Ça veut dire couille, vas-y, ça y est, bleu. Mais pourquoi t'es toujours énervé? Je suis pas énervé, tu es venu derrière moi, je suis en train de fermer la porte. J'ai cru qu'un braqueur va me braquer, c'est bête, tu comprends pas? C'est bon, désolé. Et toi, tu veux une fille? Voilà, mais qui aura gain de cause? Deux! Donc voilà, c'était l'histoire des membres de la team Nasdas. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Donc, et ceux qui veulent pas écouter mon avis à la fin ou qui n'ont pas le temps, ils peuvent appuyer sur stop. C'est qu'un geste du pouce qui dure une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu, voire un petit commentaire avant de partir, ça serait sympa. Voilà, mais c'est toujours mieux de regarder jusqu'à la fin. Donc voilà, et il y a la story de Nasdas de la baby shower filmée par Nasdas qui sera en lien à la fin de la vidéo et où on voit les ravages de l'alcool. Malheureusement, je vais y revenir sur ce sujet, les ravages de l'alcool. Donc il y a le Cuisto qui dit sans alcool, il rigole plus encore. Ben forcément, quand tu les vois boire, tu es obligé de rigoler. Quand tu les vois, ils sont défoncés comme ça. Là. Ils sont défoncés. Voilà. Et donc, les ravages de l'alcool. Cappuccino qui danse bien. Cappuccino qui se fait tout le temps remarquer. Franchement, il a un don, un talent pour la danse. Quoi. Il passe pas inaperçu. Samos aussi. Samos également. Voilà. Farah aussi a dénoncé l'alcool. Pas mal. Donc, on voit les images dans les stories de Nasdas. Voilà. Qui sont en lien à la fin de cette vidéo. Voilà. Il y a boire et boire. Il faut boire avec modération, tu vois. Moi, je bois toujours avec modération. C'est un ami, mais il s'appelle Modération. Donc, s'il n'est pas là, je bois pas. Je bois qu'avec lui. Lol. Il faut faire des choses avec préméditation. Préméditation, c'est un ami. Là, j'étais au tribunal. Ils m'ont dit, vous avez fait ça avec préméditation. Je dis, mais je ne connais pas préméditation, moi. Je ne les connais pas, ce monsieur préméditation. Donc, voilà. Il y a boire et boire. C'est vrai que boire deux verres, t'es un peu enjoué, mais boire deux, trois flashs, c'est un peu trop, quoi. Donc, on voit quelqu'un qui était en état de coma éthylique et en train de vomir, ce qui est dégueulasse. Et en coma éthylique, ça m'est arrivé, je ne sais pas si c'est des comas éthyliques, mais j'étais conscient dans ma tête, mais j'arrivais plus à bouger. J'avais envie que de rester en position horizontale.
Une fois, ça m'est arrivé dans un quartier que je connaissais pas trop, ce quartier. Et voilà, les amis voulaient pas me laisser parce que comme c'est un quartier bizarre. Après, j'ai réussi à aller jusqu'à la voiture où j'ai dormi dans la voiture. Bien sûr, j'ai pas conduit, j'avais pas la force. Mais j'étais entre deux voisins que je connais. Donc, s'il y avait quelque chose, j'avais légèrement ouvert légèrement les fenêtres, histoire de pas. Voilà. J'avais bien vérifié que j'avais les clés parce que ça se ferme automatiquement après pour sortir. J'étais resté dans la voiture. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Des sortes de coma éthylique. Ça, c'est quand tu es dans l'abus et que t'as pas mangé. Donc, tu as une sorte de baisse de tension continue. Je sais pas exactement, mais l'abus, voilà. Si ça peut montrer ça, si ça peut montrer ben, les ravages que l'alcool peut faire, on croit que des fois, le problème, c'est qu'on boit pour différentes raisons. Des fois, on boit pour être enjoué, pour être un peu plus joyeux, un peu plus. Voilà, mais quelques verres suffisent, c'est pas la peine d'abuser. Il y en a qui boivent pour oublier les problèmes aussi, parce qu'ils ont tout le temps ces problèmes, ils n'arrivent pas à s'amuser, ils sont déprimés. Donc, une fois qu'ils boivent, ils oublient les problèmes et ils vivent le moment présent, malheureusement. Mais comme toute chose, l'abus peut être très très dangereux pour la santé, les accidents, faut pas boire au volant, faut pas, tu peux avoir une baisse de tension, te faire voler tes affaires, quand tu es en coma éthylique, tu n'arrives plus à bouger, ça arrive à des gens. Moi, j'avais un problème quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide, donc je me suis mis à boire d'abord pour intégrer des groupes d'amis. Des groupes de gens parce que je savais qu'ils buvaient, donc c'était pour faire comme eux et pour être mieux intégré, mieux accepté dans l'équipe, on va dire. Et puis je me suis rendu compte qu'en buvant, ben, j'étais moins timide, quoi. Comme j'étais extrêmement timide, j'osais pas faire le premier pas, aller de l'avant, discuter avec les gens. Une fois que je bois, je commence à parler avec tout le monde, avec n'importe qui. Donc c'est un problème aussi, voilà, c'est lié à d'autres problèmes. Bien sûr qu'on peut vivre sans boire si on est heureux, si on n'a pas trop de problèmes. Il en faut un petit peu des problèmes, ça met un peu de piment dans la vie. Mais pas de quoi te faire déprimer non plus. Et faut faire les choses, faut faire les choses dans la vie, voilà. Faut faire les choses pour être heureux. Et là, tu auras moins besoin de boire si tu fais les choses bien. Tu auras moins besoin de boire. Que d'avoir recours à cet artifice pour te sentir bien. Voilà, c'est un artifice qui peut être très dangereux, mais que tu peux avoir naturellement ben, en faisant tes projets, comme le cuistot par exemple, qui réalise ses projets d'être chef cuisinier et en plus d'être cuisinier dans la team Nasdas. Donc, il est heureux comme ça, il atteint ses projets, il a de nouveaux projets et ça le rend heureux. Ça, forcément, ben, le travail, ça te crée des sujets de conversation autour de ta passion, de tes passions. Donc, tu n'as pas besoin de boire pour vaincre ta timidité, vu que tu auras plus un cercle social par rapport à tes passions. Voilà, être passionné de diverses choses dans la vie aussi, ça peut aider à. Je pense qu'on peut se passer de l'alcool si on est passionné, si on est travailleur, si on est. Voilà, c'est mon petit conseil d'ami, voilà, que je dois m'appliquer aussi à moi aussi. Voilà, je ne suis pas exempt de tout reproche, bien évidemment. On en oublie l'information principale, c'est Mousse, le fils de Michel, qui va devenir papa, très jeune papa, à dire qu'il va être papa à 17 ans. C'est incroyable, c'est comme ça dans les communautés gitanes en général, ils se marient très jeunes. Donc, voilà. Donc, il aura des parents très jeunes. Voilà. Il aura des parents très jeunes. Ce sera un enfant jeune, on va dire. Lol. Donc, félicitations à Noélia et Mousse. Mousse, le fils de Michel. Et félicitations aussi à Lauriana qui nous montre une autre photo inédite de sa fille. Voilà, après Crimo, il n'a pas trop snappé, il est un peu occupé là, un peu, il est un peu déboussolé et très occupé pour le premier jour de son enfant. Voilà, tout simplement, le petit récapitulatif
Voilà, les vidéos off de la team NASA sur le sujet de cette baby shower. Pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures définitivement, pour eux, pour ceux qui veulent la revisionner, ceux qui n'ont pas Snapchat, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snapchat interdit par leurs parents, ou ceux qui ne connaissent pas Snapchat, ou ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google dans les recommandations de vidéos, les pages de navigation, et ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision via l'application YouTube, ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos dans la vidéo de Nasdaq.